Bonjour tout le monde, euh, je me présente Jamel Fri, professeur principal émérite de sciences physiques au lycée Ali Haji El Marsa. Notre étude aujourd'hui sera consacrée aux conversions des signaux qui fait partie du programme de la quatrième science de l'informatique. Donc on va passer à notre... Situation, problème. Même si la traditionnelle platine analogique semble connaître une deuxième jeunesse, la musique numérique est devenue la norme. Mais quelle est la différence entre un son analogique et numérique La platine analogique, c'est ce que vous voyez ici. Bon, poser cette question, ça revient au même de la poser, mais autrement. C'est-à-dire, quelle est la différence entre la musique stockée sur ce disque, ce qu'on appelle compact disque, et ce disque analogique. Et on va essayer de répondre ensemble tout au long de cette présentation. Donc, grand 1, ça euh, Grand été situation problème. Grand 2, avant de parler de conversion des signaux, on doit tout d'abord distinguer les différents types de signaux. Donc, signaux analogiques, logiques et numériques. Et on va commencer par le signal analogique. Et bien, comme vous le voyez sur ce diagramme, un signal analogique en fonction du temps, c'est une fonction qui varie en fonction du temps. Ben, toute grandeur ou toute fonction qui varie d'une fonction continue dans le temps, on peut l'appeler, on peut la considérer comme signal analogique. Donc, d'ailleurs, un signal analogique, si sa valeur varie dans le temps d'une façon continue. Exemple, des grandeurs physiques telles que la température, la pression, et chacune d'elles est continue dans le temps. Ce sont des exemples, bel et bien, de grandeurs analogiques. Donc, le premier type de signal, c'est le signal analogique. Passons au deuxième type de signal. C'est ce qu'on appelle signal logique. Comme vous voyez ici, ce signal ne peut pas être analogique, tout simplement, parce qu'il est discontinu au cours de notre variable qui est le temps. Donc vous voyez qu'il prend des valeurs discrètes entre 1 et 0. 1, 0. Ce signal ne pouvant pas être continu. C'est un signal discontinu, on l'appelle un, euh, un signal logique. Hein, un signal logique, tout à fait le contraire d'analogie. Donc, c'est quoi en fait oh C'est une succession de deux valeurs possibles. On a un niveau haut, VCC correspondant à l'état logique 1, et niveau bas, 0 volts correspondant à l'état logique 0. Donc, l'information est transportée par le signal à un instant T donné et soit VCC, niveau haut, soit zéro, c'est-à-dire niveau bas. Donc, maintenant, on a vu deux types de signal. Analogique, varie d'une façon continue au cours du temps, ou elle d'une grandeur qui varie continuellement, et un signal analogique qui varie d'une façon discrète, tel que le signal logique. Troisième type de signal, c'est ce qu'on appelle le signal numérique. Eh bien, le signal numérique, c'est une suite de valeurs numériques représentées par un nombre ou un mot binaire. Un mot binaire, c'est ce qu'on appelle, euh, il est formé de n bits. N bits, donc, on revient, donc A0 c'est une bit, A1, A2, A3, bits sont, elle peut prendre chaque bit ou bien la valeur 0 ou bien la valeur 1, c'est-à-dire, c'est une valeur logique. Donc, tout simplement, le signal logique à 4 bits avec A0, A1, A2 et A3 sont les éléments binaires du mot. Donc, chaque mot est formé par un nombre n de bits. Ce sont les éléments du mot binaire. Exemple une tension u2t variable, mesurée à intervalles de temps réguliers, fournit une suite de nombres qui constitue un signal numérique. Donc plusieurs valeurs d'une tension mesurées à intervalles de temps réguliers. C'est une suite, c'est comme une suite. Mais intervalles de temps régulier, ça peut fournir une suite de nombres. Nombre de quoi Ce sont les valeurs de U qui constituent un signal numérique. Donc récapitulons jusqu'à maintenant. On a distingué, ou bien on a défini trois types de signal. Le signal analogique qui est contenu. Dans le temps, le signal logique qui varie discrètement et qui peut prendre deux valeurs, 1 ou 0, selon l'état, niveau haut ou bien niveau bas. Et le troisième signal, c'est le signal numérique. Et vous entendez toujours parler du numérique. Donc, c'est une suite de valeurs numériques représentées par un nombre bien déterminé de bits, qui peut être 2, 4, 8, ainsi de suite on va passer maintenant à la comparaison des signaux analogiques et numériques. donc, comme il apparaît ici, donc un signal analogique est très sensible à son environnement. sa dégradation est facile, mais difficile à mémoriser ou à traiter mathématiquement. ça vous rappelle ici les cassettes vhs. Hein? les grands fêtes de vos parents ou de vos grands-parents, hein, s'ils existent, hein, euh, ce sont mané, stockés sur des cassettes VHS qui sont stockées en tant qu'analogiques. Si vous voulez les récupérer à cet instant, voilà, ce jour, un jour, mané, cet instant, par exemple, vous ne pouvez pas, vous trouvez que la qualité, ce n'est pas une très bonne qualité. Tout simplement, pourquoi Parce que ce signal est très sensible à son environnement. Et sa dégradation est facile. Et il est même difficile à mémoriser ou à traiter mathématiquement. Donc ça, c'est le signal analogique. Parlons maintenant du signal numérique. Et c'est l'ère du numérique maintenant. Prend uniquement deux états, haut et bas. Et elle est insensible. Faites très longtemps. attention, est, elle est très insensible au bruit que peut... Euh, que, euh, au bruit peut très Ça, est peut-être traité mathématiquement. Ça, c'est le plus important. On peut le traiter mathématiquement. Donc, remarque, une fois stocké ou manipulé en numérique, un signal, est pour être exploité, devoir, devra revenir à sa forme analogique de départ. En effet, nos oreilles ne savent pas entendre en numérique. À ce niveau-là, je peux avoir une idée ou la répondre à notre situation, problème de départ. C'était quoi en fait C'était est-ce que le son numérique existe Eh bien, sachez bien que le son numérique, ça n'existe pas. Le son numérique, ça veut dire qu'on parle de la manière de stocker un son. Ou bien d'une façon analogique et on ne peut pas le récupérer et il est dégradable ou bien un son numérique qu'on peut le récupérer avec une haute fidélité, ou bien une qualité très très bonne. Donc ça c'est la comparaison. Donc le signal numérique est plus fiable que le signal analogique. Bon, dans le cadre du rappel, euh, n'oubliez pas que c'est... Ce chapitre est consacré aux élèves, à nos élèves de 4e informatique. Bon, ils ont une idée claire sur la numérisation décimale et binaire. Donc, un mot binaire de n bits s'écrit avec un élément binaire. Comme on a dit tout à l'heure, en définissant le signal numérique A0, A1, A2, AJ jusqu'à AN. Un élément binaire agit avec j variable entre quoi et quoi de 0 à n-1 et agit, n'oublions pas, le signal logique peut être peut prendre deux valeurs ou bien 0 signifie absence de tension 0 volts. ou bien 1 signifie la présence de tension. J'ai pris comme exemple 5 volts, ça peut être 10 volts, 15 volts. Hein? Le mot binaire s'écrit dans un ordre décroissant. À partir de AN-1, AN-2, AN-3 jusqu'à A0. Ben, L'équivalent décimal, décimal en code binaire s'écrit N, 2 puissance N-1 à N-1 plus 2 puissance N-2 à N-2 plus 2 puissance N-3 à N-3, ainsi de suite jusqu'à 2 puissance 0 à 0. Avec n max. C'est la valeur maximale de l'équivalent décimal d'un euh, mot binaire n. n max égale 2 puissance n moins 1. À titre d'exemple, considérons le nombre 9, par exemple. Mais tout d'abord, je dois préciser n. Si je prends n égale à 2. La valeur maximale, 2 puissance, 2 moins 1, c'est 3. Mais, n, mais on a 9. n égale 3, 2 puissance 3, moins 1, ça fait 7. 8 moins 1, 7. Ça ne suffit pas. n, n égale à 4, 2 puissance 4, moins 1. 16 moins 1, c'est 4. Ah, ça me convient de choisir n égale à 4. Donc, le mot binaire, d'une façon générale, s'écrit 2 puissance, 1, moins 1, ainsi de suite. Donc, je vais appliquer ça à 9. Dans quel but De trouver le mot binaire qui est dont l'équivalent décimal est 9. Donc je vais commencer par 2 puissance 3 à 3, plus 2 puissance 2 à 2, plus 2 puissance 1 à 1, plus 2 puissance 0 à 0. 2 puissance 3, c'est 8. Donc il suffit de prendre A3, 1. Je n'ai pas besoin de 2 puissance 2, 4. 2 puissance 3, 8, il me reste 1. Donc je passe directement 2 puissance 0, donc A0 égale à 1. Tous les autres 0, tous les autres bits, 0. Et vous voyez qu'on arrive à établir, à établir le mot binaire dont l'équivalent décimal égale 9. Et ça, c'est forme de rappel, parce que vous la connaissez déjà, je suppose. Donc, le mot binaire 1 0 0 1, qu'on doit l'écrire de cette façon, entre accolades 1 0 0 1, ainsi de suite. Donc voilà. Bon, en fait, c'est bien écrit tout simplement ici. 2 puissance 3, 3, 2 puissance 2, ainsi de suite. De même pour 8, pour 7, pour 4. Pour quel nombre euh, que vous voulez. Hein? Donc pour 8, par exemple, 1, je n'ai pas besoin. Il suffit 1 fois 2 puissance 3, c'est 8. Hein? Voilà. Ben, grand 2, convertisseur numérique analogique. Et convertisseur analogique numérique. N'oubliez pas que notre euh, chapitre est intitulé Conversion des signaux. C'est à ce niveau-là qu'on peut étudier la conversion comme, une, comme un phénomène. On fait un phénomène de quoi C'est la conversion, c'est le passage entre les différents signaux. Il n'y a pas plusieurs signaux, son passage ou bien entre le numérique et l'analogique ou inversement. Mais dans ce chapitre, on va s'intéresser juste au CNA. Mais ça n'empêche de citer quelques propriétés des deux convertisseurs. Et on va commencer par le CNA. CNA, c'est convertisseur numérique analogique. Convertisseur numérique analogique. Ben, tout simplement par une simple définition, c'est un dispositif. D'ailleurs, comme son nom l'indique, convertisseur numérique analogique, c'est-à-dire passage du numérique à l'analogique. Donc c'est un dispositif électronique qui transforme un nombre binaire d'entrée n, d'entrée, n. Vous voyez l'année les 4 bits à l'entrée, dont la valeur décimale est n. On vient d'étudier. Que chaque mot binaire a ce qu'on appelle un équivalent décimal. En une grandeur électrique proportionnelle à ce nombre US. A euh, ce nombre, avec US égale à quoi US égale à K fois N. Qu'est-ce que cela veut dire Proportionnel. Donc, grandeur de sortie US doit être proportionnelle aux grandeurs d'entrée, il y a N. Donc, on un schéma. N, ça fait partie du symbole et non pas de schéma, du schéma. Donc, le schéma, c'est simple. Les quatre flèches, ça veut dire mot binaire d'entrée, une seule flèche, c'est US de sortie. Vous pouvez la préciser comme nom. Mais le plus important, et faites attention, même aux examens finaux, on vous demande, parmi les questions préliminaires, donner le symbole d'un tel ou tel convertisseur. Donc, il vaut mieux... Le mémoriser, donc le symbole, c'est un symbole de, de l'entrée. Entrée, ça c'est N. À la sortie, donc ça c'est le symbole du numérique, dièse. À la sortie, c'est une grandeur continue, c'est-à-dire grandeur analogique. Hein. C'est une grandeur analogique. L'exemple. Exemple de CNA, il ne faut pas chercher ailleurs, c'est dans notre domaine. Utilisez toujours une imprimante. Lorsque vous amenez une grandeur, stocker une page, un devoir, une série, stocker sur, ou la graver sur un CD, pour l'imprimer, ben vous devez utiliser une imprimante. Qui doit contenir le lecteur CD doit contenir quoi un convertisseur numérique-analogique pour récupérer la grandeur analogique y à notre schéma ou bien notre photo ou l'image ainsi de suite. Donc faites attention, n'oubliez pas ce symbole. Hein. Alors que le CAN, C-A-N, comme son nom l'indique, convertisseur analogique numérique Eh bien, tout simplement, c'est un dispositif électronique qui transforme cette fois-ci un signal analogique d'entrée en un nombre binaire dont l'équivalent décimal est proportionnel à UE. UE, ça c'est la grandeur analogique d'entrée, telle que N proportionnel, N égal à K fois UE. Avec K, bien sûr, en volt moins 1. Bon, j'ai oublié de préciser que K, vu que US est en volts, vu que US est en volt K doit être en volts, parce que N c'est un nombre. Donc là, N égale K fois UE, avec K, cette fois-ci c'est en volts moins 1. Volt par volt, c'est un nombre. Le schéma UE tension d'entrée à la sortie, un mot binaire. Il faut préciser C A N le symbole c'est le plus intéressant donc là, grandeur d'entrée U E ça c'est le symbole de l'analogique vers quoi vers le numérique N c'est le nombre de bits 4 bits 8 bits 16 bits c'est combien exemple ben, c'est le cas contraire c'est-à-dire l'exemple d'une numéris numérisation d'un document lorsque vous scannez une page ou n'importe quel document vous activez le bouton numériser. Numériser, c'est-à-dire passer un signal d'une grandeur analogique vers un signal ou bien une grandeur numérique pour le stocker pour le traiter mathématiquement plus facilement. Donc, je répète, il y a deux types de convertisseurs. Il y a le convertisseur numérique analogique qui est capable de transformer un signal numérique en signal analogique pour le traiter. N'oubliez pas que nos sens sont sensibles aux grandeurs analogiques et non pas aux numériques. Donc CNA, ça c'est son symbole. Il y a plusieurs exemples d'application de ce convertisseur. Il est toujours utilisable. Le deuxième type c'est le CAN, convertisseur analogique numérique. Donc pour bien stocker euh, des grandeurs analogiques qui sont sensibles à leur environnement, qui sont dégradables, on doit le stocker euh, d'une façon numérique, sous forme numérique. De ce fait, pour cela, on a besoin de ce type de convertisseur. <laughs> bah, une petite évaluation préciser dans chaque cas le type de convertisseur. Donc premier cas. Donc ça c'est notre chaîne d'acquisition. Donc on a un monde physique. Monde phys physique. Bien sûr, capteur, action, conditionneur. Et là je m'intéresse l'entrée et la sortie du convertisseur. Dans l'interface d'acquisition. Vous voyez bien que ce signal électrique à l'entrée, c'est analogique. Alors qu'à la sortie, on a une variable numérique vers le monde, vers la mémoire de l'ordinateur pour être stockée. Donc notre convertisseur ne peut être que C-A-N. A-N. Analogique numérique. Dans notre premier cas, donc on a étudié une interface d'acquisition, c'est-à-dire on est parti du monde physique. Donc, je m'intéresse juste au signal d'entrée et la variable de sortie. Au signal d'entrée, c'est inscrit signal électrique analogique. Je peux, je peux le comprendre. C'est à partir d'un monde physique qui est un monde analogique. Donc, entrée analogique, sortie numérique. Donc, ce convertisseur ne peut être que CAN, c'est-à-dire un convertisseur analogique numérique. Donc, premier cas, CAN. Deuxième cas. Donc, on est parti de la mémoire de l'ordinateur. Donc, on a variable numérique. À l'entrée d'un convertisseur dont on vous demande de déterminer sa nature, à la sortie signal électrique analogique. C'est comme si commander un moteur LANA à partir d'une interface, c'est-à-dire d'un ordinateur. Donc ce convertisseur à l'entrée numérique sortie signal analogique ne peut être que CNA, c'est-à-dire un convertisseur. un convertisseur euh, numérique, numérique, analogique. Numérique, analogique. Donc l'évaluation, c'est très simple, c'est-à-dire savoir distinguer à partir des entrées et sorties de chaque convertisseur le type de chaque convertisseur. Donc ce convertisseur numérique, analogique, numérique, le deuxième ne peut être que numérique, analogique. Hein. Ben, c'est comme si l'Ernain... Si on veut mesurer la tension à l'aide d'un ordinateur, donc je dois utiliser ce type de convertisseur AN. Si je veux actionner un moteur à partir, en utilisant à partir de l'ordinateur, donc je dois utiliser un convertisseur numérique analogique. Ben, grand 3, on va s'intéresser dans ce chapitre uniquement et c'est conforme au programme of, au, officiel, le convertisseur numérique analogique. Et plus particulièrement, convertisseur à réseau de résistance pondéré, et on va voir qu ce que cela veut dire. On va commencer par une étude théorique de découverte, puis on va consacrer une étude expérimentale de démonstration. Ben, on peut parvenir à notre but de deux chemins. Que ce soit ce chemin que j'ai choisi, donc partie théorique, vérification par l'expérience, ou bien l'expérience de découverte, puis le théorique pour vérifier et confirmer. Donc j'ai choisi ce, ce chemin parce qu'on doit tout d'abord présenter ce type de convertisseur. Donc vous voyez là, c'est qu'on a quatre séries, on a quatre, quatre séries de résistors. En série avec des interrupteurs, K0, K1, K2 et K3. Il y a une relation de proportionnalité entre ces résistances, 8R, 4R, 2R, R. C'est comme si deux puissances quelque chose fois R. Ces entrées, comme vous le voyez, sont commandées par un circuit logique qui commande les interrupteurs. Le circuit logique, vous l'avez étudié en programme de troisième, troisième année, porte Nantes, porte Nord, niveau bas, niveau haut. Donc, il y a deux cas, deux possibilités l'interrupteur, soit qu'il qu soit, soit, qu soit fermé ou ouvert. Ça, c'est une tension stabilisée d'entrée, une référence. Notre amplificateur opérationnel sur l'entrée inverseuse, et on va voir pourquoi. Au bord de cet amplificateur, une résistance de sortie R'. Et ici, je peux placer mon voltmètre qui sert à mesurer la grandeur de sortie. La grandeur analogique, physique, c'est la tension de sortie. Donc c'est clair, ce convertisseur est constitué de quoi Donc un circuit logique de commande, des résistances au nombre de bits. On a 4 bits, on peut réaliser 8 bits, 16 bits, tout dépend du nombre de, de résistants. Ça, c'est la tension de référence. Amplificateur opérationnel idéal, sans gain, euh, epsilon, est nul. Donc, l'étude théorique, je vais l'entamer avec une activité. Et l'activité, comme vous le voyez, donc, premièrement, écrire le mot binaire d'entrée n de ce convertisseur. Chose qu'on l'a déjà vue, rappel décima, l'équivalent décimal et le binaire. Écrire le mot binaire, j'ai combien de bits là 1, 2, 3, 4. J'ai 4 bits. Donc, n égale à 4. Pour l'écrire tout simplement. Entre A je vais écrire les A3, A2, A1 et A0. Mais tout d'abord, partons du principe du fonctionnement. Pour AJ égale à 1, l'interrupteur KJ est fermé. Et RJ égale à 2 puissance n moins j moins 1 fois R est parcouru par un courant IJ. Juste un moment ici, Lana. RJ... C'est-à-dire, si je considère R0, R0 est 2 puissance, la valeur de R0, 2 puissance n, on a dit 4, 4 bits, 4 moins 0, moins 1. Donc, 4 moins 1, c'est 3, 2 puissance 3, c'est-à-dire 8 R. Et on peut vérifier ça. J égale 0, AJ, A0, c'est 8 R. Hein? Et ainsi de suite. A1, 2 puissance 4, moins 1, moins 1. 2 puissance 2, c'est 4. 4R. A2, c'est 2 puissance n moins 2 moins 1. Donc c'est 4 moins 2 moins 1, c'est 2R. 2 puissance 1, c'est 2R. A3, c'est 2 puissance n, 4 moins 3 moins 1, c'est 0. 2 puissance 0, c'est 1. Donc 2 puissance 0R, vous voyez bien que c'est R. Ça, c'est le principe. De, de fonctionnement. AJ égale 0. Donc pour AJ égale 0, l'interrupteur KJ est ouvert. Il n'y a pas de courant. Le même résistor n'est parcouru par aucun courant. Donc, je vous rappelle la première question. Établir l'expression de l'intensité, euh, plutôt écrire le mot binaire n de ce convertisseur. Ben, le mot binaire d'entrée, tout simplement, puisqu'il s'agit de 4 bits, donc A3, A2, A1, A0, son, son équivalent décimal s'écrit 2 puissance 3A3, plus 2 puissance 2A2, plus 2 puissance 1A1, plus 2 puissance 0A0. Ça, c'est la première question. Pour la deuxième question, mais nous devons se rappeler de cette deuxième question établir l'expression de l'intensité du courant I3 qui parcourt le circuit, dans deux cas. Pour A3 égale à 1, 1 et A2 égale à 1, égale à 0, égale à 0, en ce qui me concerne, A3 égale à 1, ça veut dire l'interrupteur k a est fermé, alors que tous les trois autres interrupteurs sont ouverts. Et pour le deuxième cas, c'est-à-dire lorsque les trois, les quatre interrupteurs A3, A2, A1, A0 sont, sont nuls et les quatre interrupteurs sont ouverts. Eh bien, tout simplement, I3 euh, en fonction, exprimé 3 en fonction de U référence, la tension d'entrée stabilisée, la résistance R et A3. Hein. Voilà. Donc, euh, vous voyez, pour A3 égale à 1, A2 égale à 1, égale à 0, égale 0, le schéma du circuit d'entrée est celui de la figure ci-dessus. La figure ci-dessus. On a éliminé tous les autres interrupteurs <coughs> qui sont en dessous, c'est-à-dire K2, K1, K0, je l'ai éliminé. Pourquoi Parce que tout simplement, les trois interrupteurs sont ouverts. Et on aura une seule, on aura une seule maille d'entrée. C'est la maille qui correspond à l'interrupteur K3. Donc, vous voyez là, ça c'est notre courant I3, ça c'est la tension U-référence, ça c'est R', R' de sortie, et ça c'est US. Or, notre amplificateur opérationnel est supposé idéal, c'est-à-dire epsilon, ce gain, ce gain est, notre gain est nul. Loi des mailles, par simple application de la loi des mailles. Et je vous rappelle, la loi des mailles, c'est la somme algébrique des tensions dans une maille est nulle. Quelles sont les tensions présentes dans la maille d'entrée? On a UR, U référence et epsilon. Donc, je dois choisir un sens de rotation positive, que ce soit celui-là, dans ce sens ou l'autre. U référence plus UR tourne dans le même sens, moins epsilon égale 0. Et faites attention, c'est la partie la plus importante. Donc, loi d'Ema, U référence plus R, égale, moins epsilon. Donc, comme, ça va nous donner quoi I3 égale à moins U référence, U référence sur R. D'où vient ce I3 Tout simplement, la loi d'Om dit que UR égale à R fois I3. Un petit développement. UR sera égal à moins U. Référence. Ur égale moins U mais Ur égale à quoi égale à R fois I3. On aura tout simplement et plus facilement I3 égale moins U référence sur R. Ça, c'est pour le premier cas. Pour le deuxième cas, tous les interrupteurs sont ouverts. I3, normalement, c'est zéro. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de courant qui circule dans n'importe quelle résistance. Donc, dans les deux cas, on peut écrire I3 égale, en se référant à cette euh, relation, moins A3, une référence sur R. Et ça englobe les deux cas. Avec si A3 égale 0 ou bien 1. Dans les deux cas, je peux écrire que I3, si A3 égale 1, je retrouve la relation précédente, I3 égale moins une référence sur R. Si A3 égale 0, je vais retrouver I3 égale 0 de tout à l'heure. Tout simplement, on a alors Ur égale à moins A3 fois U référence. Ur égale à moins A3 fois U référence. Si A3 égale 0, donc Ur égale 0, pas de courant. Si A3 égale à 1, Ur égale à moins U, U référence. Tout cela parce que notre amplificateur est supposé idéal de gain nul. Ça, c'est petit a. Petit B. On va se rappeler tout d'abord de petit B. La question. Petit B. Établir l'expression de la tension US en fonction de R, R', N et U référence. Petit A, petit B. Ben, Qu'est-ce qu'on va faire? On va généraliser tout simplement les relations trouvées par la maille 4 3 de, de l'interrupteur 4. On a, trouvé, on a trouvé A3, I3 égale à quoi Moins A3, une référence sur R. Si je veux généraliser sur J, j, je vais écrire quoi tout simplement IJ égale moins AJ, indice J, J peut être 0, 1, 2 ou bien 3. C'est 4 bits, U référence sur R. Et la deuxième relation, UR, URJ, ça veut être quoi Égal à moins AJ fois U référence. Ça, c'est clair IJ égale à moins AJ U référence sur RJ. Et URJ égale à moins AJ U, U référence. En tenant compte de cette dernière rela relation, le schéma équivalent du CNA de la figure 1 tout à l'heure, je vais éliminer le générateur et je vais remplacer ici par une tension dont la valeur, ce n'est autre que A0 U référence. Vous voyez bien que cette tension d'entrée, elle dépend du bit considéré, A0, A1, A2, etc. Maintenant, c'est dû à quoi C'est que URJ moins AJ U référence égale 0. Uj plus aj, u référence, c'est égal à 0. Donc, si je considère l'un, ur0, ur0, ur0 plus a0, u référence, vous voyez que c'est égal à 0. ur1 plus a1, u référence, égal à 0. Et ainsi de suite. Hein. Donc, de ce fait, je vais obtenir que cette tension, ce n'est autre que A0U référence, A1U U référence. Hein? Voilà. Le fait de dire que UR1 égale à moins A1U référence, ou bien UR0 égale à moins A0U référence, moins A0U référence plus A0U référence égale 0. Donc, je vais, pour répondre à la question, c'est-à-dire trouver une relation entre... US et N d'entrée et montrer que US est proportionnel à N. Je vais m'intéresser tout simplement en premier lieu à la maille de sortie. US, ça c'est UR', ça c'est le courant I', ça c'est le courant I, c'est la somme des courants d'entrée dans la maille de sortie. Vous voyez bien que US, si je tourne dans ce sens, US plus UR prime plus epsilon, c'est le gain, est nul. La somme algébrique des tensions dans une maille est nulle. Donc, US plus UR prime égale 0, ça c'est la relation 1. Or, I prime égale à I. Pourquoi Parce que tout simplement, I moins égale 0, notre amplificateur opérationnel est supposé idéal. Il n'y a pas de courant d'entrée. I moins égale 0. Et en utilisant la loi des nœuds en ce point, la somme des courants sortants est égale à la somme algébrique du courant rentrant. Comme il y a quatre courants rentrants ici, I3, I2, I1, i leur somme est égale au courant de sortie. Donc on a deux données, euh, deux nouveaux données, c'est-à-dire ce que I prime n'est autre que I, I' n'est autre que I, et la somme de ces courants, ce n'est autre que I. Donc, I3, en utilisant cette relation, allez-y, I3 c'est quoi C'est moins A3, une référence sur R. I2, même chose, moins A2, une référence sur 2R. I1 égale moins A1, une référence sur 4R. I1, c'est 4R. Et I0, c'est moins A0, une référence sur 8R. La relation 2 va nous donner i égale à moins quoi? Je vais remplacer I3 ou I2. Vous voyez, tous ces courants sont portent un signe négatif. Donc moins A3 U référence sur R, moins A2, ainsi de suite. Je peux mettre moins en facteur. Ça va me donner A3 U référence sur R. Plus A2 u référence sur 2 R, plus A1 u référence sur 4 R, plus A0 u référence sur 8 R. Et on a tout notre temps. Hein. Je vais vous expliquer. Donc il suffit de remplacer chaque courant, chaque intensité, par son expression. J'ai factorisé sin mois qui existe dans tous les intensités du courant, l'expression. La relation A us égale plus R prime I prime égale 0, donc US égale moins R prime I prime. Or, on a précisé que I n'est autre que I. Il n'y a pas de courant I moins. Eh bien, je vais obtenir R Moins R fois moins de, qui se trouve dans l'expression de I. Tout simplement, ça va me donner R fois a 3 ur référence sur R, plus A2, une référence sur 2R, plus A1, une référence, ainsi de suite, plus A0, une référence sur... Ben faites attention, je répète, donc, moins R i moins, et on a un autre signe moins dans l'expression de I, ça va me donner directement, euh, vont se compenser et R' facteur de A3, une référence... Et vous voyez qu'on s'approche de la forme de l'équivalent décimal de N, puisque je fais apparaître A3, A2, A1 et A0. Et ça, c'est le plus important dans l'étude du convertisseur, surtout numérique analogique, qu'on est en train d'étudier, ou même à l'examen final, pour bien répondre à ce type d'exercice. Il faut euh, comprendre ce passage. Il faut s'habituer à ce type de calcul. Mais vous voyez que c'est simple. Il suffit d'utiliser loi des mains, que ce soit à l'entrée ou à la sortie, n'oubliez pas notre loi des nœuds et notre fameuse toujours loi, loi d'homme. Tout simplement, si je récapitule, il faut avoir. Euh, clair, maintenant, une idée claire à propos de l'utilisation de ces deux expressions. Il suffit d'utiliser une seule maille, que ce soit R0, I1, I2, I3, l'une des mailles. C'est-à-dire, je ferme un seul interrupteur, comme on a fait avec I3. Qu'est-ce qu'on a fait On a ouvert tous les autres interrupteurs tous les autres interrupteurs. A1 égale à 2 égale à 0, égale à 0. Tout, bon. Et seulement 4 a est fermé. Donc, je rends tout le système à une seule maille d'entrée qui va me faciliter la tâche. Qu'est-ce qu'on a fait là Loi des mailles, UR plus U référence, moins epsilon égale à 0. Ça, c'est la maille d'entrée. De, dire que amplificateur opérationnel, donc epsilon, J'élimine epsilon et on, a, on va obtenir ur égale à moins u référence. Mais la loi d'homme dit que ur c'est r i3 et on obtient tout simplement i3 moins u référence sur r. Bon, dire que j'ai deux possibilités, que ce soit pour a3 ou bien 0 ou 1, si a3 égale 0, c'est 0, si a3 égale 1, c'est. On a i3 égale moins u référence sur r et on a généralisé comme vous l'avez vu. Hein. Voilà euh, donc les deux formules. On a généralisé, on est arrivé à ce niveau. Je répète, US égale R' fois A3, U référence, et ainsi de suite. On a, je peux continuer ce type de calcul. Qu'est-ce que je peux mettre en facteur à ce niveau, là ben, Tout simplement, il y a U référence, il y a R, sont des facteurs communs pour les quatre intensités. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, hein. Donc, je vais mettre en facteur une référence, R et 8R. Et on va voir pourquoi. Ben, si je mets 8R en dénominateur, donc je vais obtenir 8 à 3. Je reviens à ce niveau. Si on met 8R en facteur, mais je n'ai pas 8 là net. Donc, je dois multiplier à 3 par 8. Je dois multiplier à 2. Par 4. Parce que là, j'ai 2. 4 sur 8, ça va me donner 2R. Et ainsi de suite. Hein. Donc, 8A3 plus 4A2 plus 2A1 plus A0. Donc, égal à U référence sur 8R. Tout ce nombre, 8, c'est 2 puissance 3, 2 puissance 2, 2 puissance 1, 2 puissance Ce n'est autre que l'équivalent décimal de la maille euh, du mot binaire d'entrée n. Et on obtient finalement égal à R' une référence sur 8R fois N, c'est-à-dire égale à K fois N avec K, l'une des caractéristiques de notre convertisseur, égale à R' U référence sur 8R. Donc vous voyez bien, ce montage réalise une conversion numérique analogique, du numérique vers l'analogique. Puisque US, on l'a trouvé, on l'a montré, et je répète théoriquement, qu'elle est proportionnelle au nombre binaire N d'entrée. Ben, la troisième question dans notre activité consacrée à l'étude théorique quel est le rôle de l'amplificateur opérationnel euh, dans, ce, euh, dans ce circuit ben, Tout simplement, courant à l'entrée, tension en sortie. Donc notre amplificateur opérationnel a pour rôle de convertir le courant I en, en une tension U. Donc, récapitulons, théoriquement, on a montré que la tension de sortie, c'est une grandeur euh, analogique US qui est proportionnelle à notre grandeur ou bien signal d'entrée formé de 4 bits, qui est un signal nu. Numérique. Hein. En conclusion, dans le cas d'un CNA, convertisseur numérique analogique à réseau de résistance pondérée R2R4R8R, le signal analogique US issu de la conversion, la grandeur de sortie, d'un signal numérique mot binaire n est proportionnel à l'équivalent décimal n. Faites attention, l'équivalent décimal n de, et non pas le mot binaire. Hein, avec us égale à k fois n, avec k, c'est r', u référence, sur 2 puissance n moins 1 fois r. n, c'est le nombre de bits du mot binaire converti. Ben, dans notre cas, c'est 8. Pourquoi parce que N4, 2 puissance 4 moins 1, 2 puissance 3, c'est 8. Si on considère un autre convertisseur de 8 bits, par exemple, ce sera 2 puissance, 2 puissance 8 moins 1, c'est-à-dire 2 puissance 7 fois R. Et ainsi de suite, convertisseur de 2 bits, 4 bits, ainsi de suite. 9 bits, c'est comme vous voulez. Hein. Faites attention, N, c'est le nombre de bits. Ben, merci pour votre attention. On s'arrête là pour cette séance et on va consacrer la deuxième séance pour l'étude expérimentale, pour confirmer ce qu'on a trouvé théoriquement ou de vérifier ou de démontrer tout ce qu'on a trouvé théoriquement. Et merci.